Bonjour, je m'appelle Jean-Michel et je vais vous préparer une omelette aux truffes. L'omelette aux truffes du Quercy, la belle, la vraie, l'authentique. Voilà, d'abord dans les ingrédients, des œufs de ferme, bien sûr, un peu de jus de truffe, de la belle truffe tuber mélanosporum, voilà, bien noir, bien mûr. Deux saladiers, une mandoline, on y reviendra, sel, poivre, et après on passera à la cuisson. Voilà. Je vais commencer par mettre mon jus de truffe. Voilà. Et maintenant, je vais émincer les truffes à la mandoline. Donc un petit appareil, voilà, en bois d'olivier, bien sûr, qui permet de tailler la truffe de la meilleure façon. En gros, en petit, comme on veut. Voilà, ça fait de belles tranches. Quand on veut faire des plats comme ça, il faut compter 10-12 grammes par personne et par plat. Si on achète une boîte de 12 grammes et demi pour faire une omelette pour 6, ça n'ira pas bien loin au niveau du goût. Donc voilà. Maintenant, on met la truffe avec le jus. Et donc là, on va mettre 3 œufs par personne. Maintenant, on va laisser, une fois qu'on aura mis les œufs dans les truffes, infuser un petit peu, une bonne heure, une heure et demie. Voilà, comme ça. Les œufs vont prendre aussi le goût de la truffe. On va battre l'omelette. Donc on bat gentiment. Mais on ne la bat pas que pour faire une omelette au fromage. Voilà, on va casser les œufs, les mélanger comme il faut. Mais pas battu.